Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur héros et généraux et je trouve que la map est magnifique. Ah, j'ai écrit plein de dés. Hop, excusez-moi. On est parti. Parce que c'est l'hiver. C'est parti pour les vidéos de Noël. Enfin, d'hiver, c'est pas forcément de Noël. Je trouve qu'ils ont quand même vachement bien fait. Ils ont rendu les routes toutes blanches. Bon, il n'y a pas les empreintes de voiture, mais la map reste plus jolie comme ça. C'est tellement beau que je fais plus vraiment attention aux méchants. Pardon pour lui, il est peut-être mort. Hop. Ah! C'est dur de voir les gens sur cette map par contre. Alors, où est-ce qu'on peut spawn? Là. Très bien. Bon, je prends des voitures, mais c'est pas forcément très malin. Hop, on va suivre le mec devant. J'ai pas l'impression qu'ils ont changé la vitesse des voitures dans la neige. Il y a toute l'herbe qui dépasse. Waouh. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, je tourne à 120 FPS et c'est vraiment génial. Ah non, ils m'ont descendu. Il y a des mecs dans le truc. On va pas être véhicule de ralliement malheureusement. Je vais peut-être attendre de monter dans une ralliement d'éclaireur. Ça peut être intéressant ça. Yeah! C'est pas un blindé, mais c'est comme un blindé. C'est un véhicule de ralliement d'éclaireur. Là-bas, il y a des mecs. Je sais pas exactement. Oula! Ah, il tourne trop. Ah, j'ai un champ de vision réduit. Ah non. Mystère. Moi je vois personne, je sais pas si lui il voit des mecs. Je pense que c'est lui qui choisit dans quelle direction on va. Après tout c'est lui qui a le véhicule. Franchement on dirait un blindé, hein, pas un véhicule de ralliement d'éclaireur. Il y a des mecs là-bas, il veut pas essayer de shooter. Il y a un véhicule là-bas. Brah! Il y a des civils. On peut changer d'arme? Je sais pas. 3. Ouais. Voilà. On va changer d'arme. Je vois plus personne. Je vais recharger. Oh là, il y a un véhicule. Vas-y, tire, tire, tire. Vas-y, tire-nous dessus. On va bien voir ce que ça donne. Il va finir par le casser. Réservoir de carburant détruit, mais c'est pas le même. Ah voilà. Ah, j'ai pas touché celui derrière. Ah, il a filé vite. Bon, on a quand même fait un sacré carnage tous les deux. Ah, il y en a un là-bas. Mec, 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 mec. Attends. Il est là-bas. On peut cliquer en continu en fait. Bah. C'est fou, ça compte juste pour des véhicules. Là-bas, il y a un truc allié. Il n'y a pas de mode de zoom de plus, non, dommage. Pour moi. Là-bas, c'est un véhicule ennemi? Ah ouais.
J'arrive plus à le toucher. Ah, ça doit être un véhicule allié maintenant. Faut pas que je tire dessus alors. Toucher. Il y a un mec dans la maison. Je sais pas du tout si on peut le toucher. Ah, manqué. On va reprendre l'arme à 3. Y a des mecs près de nous là? Non, personne. C'est génial, je peux voir tout sans prendre de risque. Où est-ce qu'il veut aller? Witos. Par là-bas, très bien. Je te suis. De toute façon, c'est toi qui me conduis. Par contre, là, il va quand même vachement loin. Faudrait penser à retourner de leur côté. Parce qu'il n'y a personne sur cette ligne-là. Sauf si la bataille va bientôt être perdue. Mais j'y crois pas trop. Ouais, non, c'est ça, il fait un méga détour. Je me demande bien pourquoi. Il y a des trous sur notre truc sur le côté. Mais ils ont un peu abîmé les roues et pas du tout abîmé le véhicule. Ah, d'ici on est censé avoir un beau champ de vision. Oh, c'est vrai. Mec là-bas. Oh, touché. Un blindé là-bas. Touché. T'en repointe-toi, petit. Non, mais pas de ce côté-là. Il a raison, on voit bien là-bas. Ah, faut que j'arrive à tirer. Y a pas un véhicule là-bas? J'avais tellement l'impression. Je vais finir par plus avoir des comme ça. Il y avait un mec pas loin, moi je l'ai perdu. Ah, trop loin. Bouge pas, c'est ça. Chenille gauche détruite, il va avoir beaucoup de mal à bouger. Il y en a un qui s'approche là. Mais ils ont la même chose que nous en fait. Ah, j'arrive pas à le toucher, il bouge trop. Et celui là-bas, il est là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le mec est sorti du véhicule. Moteur détruit. On s'est fait tirer dessus peut-être. Ah oui, on s'est fait tirer dessus. Ah, s'il bouge, je peux pas tirer. Mais il a raison de nous faire reculer. Par contre, j'ai rien pour réparer, moi. Alors, s'il me donne un autre angle, je peux tirer. Alors, où ça? Là-bas. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Tu bouges trop. Mec. Je vois pas. Reste 12 balles, je sais pas. 12 grosses balles, je sais pas si c'est suffisant pour tuer un tank. Faut se mettre dans ce sens-là aussi. Faut juste que je puisse le voir. En fait. Il est où? Waouh. Là-bas, il y a un petit mec. J'arrive pas à voir le petit mec. Ah, là-bas, il y a un blindé. Attends, il est passé où? Là-bas. Allez, pointe-toi. Hop. Ah, ils vont trop vite.
touché, chenille droite détruite. Parfait, mais je le vois plus, malheureusement. Manqué. Là, il y a un véhicule. Ah, c'est un éclaireur, donc il peut sniper les civils, lui. Non, c'est ce qu'il doit être en train de faire. Ok. Ah, c'est trop dur. Je suis pas bon, hein. Peut-être qu'avec la mitrailleuse, j'aurais plus de chance. Et j'ai un bon champ de vision par là. Après, il y a un sapin à ma droite et un sapin à ma gauche. C'est le sapin à droite qui gêne le plus. Il me faudrait une clé à molette. Avec au moins un bonhomme pour pouvoir réparer les véhicules de mes alliés. Oui. C'est vrai que c'est peut-être mieux de sniper, mais j'ai un snipe tellement loin, moi. Hop. Je sais pas s'il veut que je lui laisse le véhicule, mais faut qu'il parle si jamais il veut quelque chose. Bon, apparemment, il a pas de quoi réparer son véhicule, sinon il l'aurait déjà fait. Et moi, je vois plus de méchants. J'ai utilisé à peu près toutes les grosses roquettes qu'il avait. J'aimerais bien placer les 5 dernières et tuer un véhicule, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Ça, c'est un véhicule ennemi? Je sais pas trop. Je pense que c'est juste un buisson. Bon, c'est génial comme truc, j'ai hâte de débloquer un truc similaire. Alors, il n'y a pas de civil, hein. Là-bas, il y a une moto. Touché. Alors, il me faudrait un truc comme ça. Hop. Ah, trop loin. Faut que je prétire. Ah, il a filé beaucoup trop vite. Attends, repointe-toi. Blindage du support d'armes endommagé plus un mince. J'ai pas beaucoup fait de dégâts. J'ai presque plus de grosses balles. Donc on va passer aux petites balles. Puis tant pis. Et bah, c'est dur de viser de si loin, je trouve. J'ai pas vraiment l'habitude. Là, avec un sniper, je l'aurais eu, mais j'ai mon sniper de fantassin et c'est un peu trop dur de faire des dégâts avec un viseur de fantassin. Toucher, tuer, yeah. Tire dans la tête. Un mec par là. Toucher. Lui il gagne de l'XP quand je tue des gens. Bon, je pense que je mérite pas ma quatrième place, mais bon. J'ai fait 6 kills, un blindé. J'ai détruit des véhicules qui comptent pas comme des blindés, mais les véhicules russes qui mitraillent. Voiture mitrailleuse fermée, c'est quand même vachement abusé. Touché, mort. C'est quand même pas du tout précis ce que j'ai. Allez, je peux pas recharger, j'ai plus de balles après.
Tant pis. Bon, on va finir de mitrailler et après, je l'abandonnerai avec son véhicule, je pense. Lui, il peut sniper de là où il est, mais moi pas. Touché. Zéro. Ok, c'est fini. Une dernière balle. Je vois à peine le mec. Je sais qu'il est par là, mais... Avec ça, j'ai pas de quoi tuer un véhicule. Un mec là-bas. Oui! Bon bah, à moins qu'il veuille s'en aller. Ah, il y a un réapprovisionnement des armes, j'avais oublié. Et c'est pas trop trop lent. Ça sera une des rares parties où je serai jamais... Ah, je suis déjà mort avant d'avoir lancé la vidéo. Mince. On voit que c'est un véhicule d'éclaireur parce qu'il est ouvert. Et que s'il y a un sniper en face, il peut se débrouiller pour tirer. Par contre, je sais pas vraiment où on va, mais je suis pas sûr qu'on aille au bon endroit. Peut-être qu'il monte son XP en faisant des détours. Je trouve quand même la map est super belle avec des hauts graphismes et la neige vraiment. Et ça a dû leur poser quelques soucis pour colorer les rochers, mais pas complètement. Colorer les routes, pas colorer la carte partout sous les arbres. C'est logique qu'il y ait moins de neige sur les arbres. Enfin bon. En fait, il est en train de nous faire n'importe quoi pour bouger. Voilà, j'ai à nouveau des munitions si ça t'amuse de retourner au combat. On navigue sur une zone de la carte alors que tout se passe de l'autre côté du fleuve. Quasiment, sauf le point O2. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. C'est futé d'avoir une caisse de soins sur un véhicule d'éclaireur quand on est éclaireur, parce que si jamais tu prends le bon... Non! Ouh! J'ai eu peur. Si tu prends le bonus dégâts réduits, quoique maintenant je devrais peut-être avoir peur aussi. Il a atterri sur un rocher. Il peut pas avancer, il peut juste tourner. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être fini, hein. Je disais, quand on est... Ah, c'est bon. Quand on est éclaireur et qu'on a le bonus résistance des dégâts 15%, même les éclaireurs adverses ne peuvent pas nous one-shot parce que prendre 85% de dégâts, même si jamais le joueur en face nous fait les dégâts maximum en une balle, c'est-à-dire 115 dégâts, eh ben il nous reste quand même un petit poupouillème de vie et hop, on peut se soigner à la caisse et retourner au combat. Alors qu'avec les packs de soins portables, au bout d'un moment, on n'en a plus. Bon, j'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait. Il nous a mis de côté le temps que ça recharge les armes, pourquoi pas. Mais... Je me dis quand même qu'il cherche à farmer son XP. En faisant du trajet inutile avec le véhicule. On va avoir passé toute la partie là-bas.
Lui, il est 18ème alors qu'il me prête son véhicule et tout. Et moi, j'ai 460 points et lui, il en a 117. Justement parce qu'il partage avec moi. Il est sympa quand même, hein. Peut-être qu'il aurait voulu exploiter son véhicule tout seul. Bon, comme il est sniper, il a de quoi s'occuper pendant que je tire, mais. Généralement, les véhicules d'éclaireur, ils sont faits pour être utilisés par deux joueurs. En tout cas, les trucs qui tirent. Ok, on va direct au front. C'est parti. Qui nous tire dessus? On n'a pas énormément de vie, je sais pas s'il sait. Il y a un mec là-bas. Est-ce que ça tire? Je vois pas. Ça tirait de par là, non? En tout cas, il est super bon en tant que coéquipier. Ah, ouais. Ah, bah, mec, attends, bouge pas. Ah, bah, bon, d'accord. Tant pis pour lui. Au suivant. J'ai pigé. Là, il y a un mec, ouais. Ah. Il y a plein de mecs, par contre. Attends, bouge pas tant! Bouge pas tant! Ah, je peux pas tirer bas là. Faut qu'il bouge. Attends, oui, mais je peux tirer, mais faut pas que tu bouges! Truc! Merci. Attends, reprends-toi, toi. Ouais, hop, reviens là. Il a disparu, suivant. Y'a un mec là-bas. Ah, c'est dur, hein, comment il bouge. Je pense qu'il essaye de nous trouver une place plus adaptée pour sniper sans être trop visible. Ah bah oui, lui, il veut sniper aussi, j'imagine. Il pouvait pas sortir avec tous les gens dehors. Par contre, les gens, ils savent pas qu'on a un véhicule tout cassé. Si, on fait de la fumée noire. Mais ils ont pas de quoi nous tuer, heureusement. Alors. Oh, c'est bien ça comme champ de vision. C'est juste qu'ils respawnent plus loin. Attends, balabalabalabala. Balabalabalabala. Faudrait que je fasse ça avec erreur parce que. C'est un véhicule de ralliement à nous, pas besoin de le casser. Sauf si tu veux que je le casse. Ça doit lui rapporter de la thune. Hop. Il est quand même franchement sympa. Il me met devant le véhicule. Vas-y, tire. À vos ordres. Bien sûr que je peux abattre n'importe quel machin. Il m'aura poussé à la deuxième place du classement. Alors, qu'est-ce qu'on voit par ici? Oh, il y a un véhicule. Je sais pas exactement où il va. Pas loin de nous, j'ai l'impression. Ok. Touché. Touché. Tu peux lui tirer dessus là ou pas? On l'a perdu de vue, hein. Clairement. Il y a des mecs là-bas? Ils sont peut-être de l'autre côté de la colline. Je pense qu'il a misé sur le fait qu'on allait prendre à deux et que du coup ils allaient tous respawn ici. Tant qu'on prend pas à deux, c'est pas le cas. Il voit des mecs, moi je vois personne. Il n'hésite pas à sortir et à sniper si jamais il voit des gens. Oh, ce serait tellement utile une clé à molette là. On est même en train de perdre à 3.
Ils vont pas respawn ici, sauf s'il y a des blindés. Dans ce cas-là, faut que je prenne cette arme-là. On va recharger quand même. Moi, je vois personne, personne, hein. Tu vas où tu veux. C'est fou que nos adversaires, ils aient réussi à casser le véhicule quasiment complètement sans briser aucun élément du véhicule. Ils sont peut-être bien protégés dans ce véhicule, mais par exemple, les roues, ça doit pas être super dur à casser. Ils les ont mis à moitié de vie. Faut juste pas qu'on se retourne. Sinon, on sera bien embêté. C'est là notre point de respawn pour A3. Il y avait un mec. Mort, je pense. On va repasser aux mitrailleuses. Arme principale, et ça c'est quoi? C'est une autre arme principale, ok. Alors. Il y a personne, hein? J'ai vu un mec rentrer. Non, juste à côté. Il s'est fait abattre. Hop! Il y a un méchant. Je préfère jouer plus frontal, moi. Touché. Là par là. Touché. On les décime les uns après les autres. No problème. On appuie les fantassins. Je sais pas s'il y a vraiment un mec par là, donc on va pas gâcher des balles. On va recharger plutôt. Oh. Salut toi. Y a plein, faut que je repasse au. J'aurais dû repasser plus tôt. S'ils veulent pointer leur tête à l'étage, je peux aussi les. Les mitrailler. Personne par là-bas. Hop, au revoir toi. Il y a une fleur qui gigote et qui me fait croire qu'il y a un bonhomme à chaque fois. Bon bah ça a été une partie pas mal et particulièrement originale. J'ai fait 16 kills, surtout grâce à la fin, je pense. Et c'est un ennemi ça. Là. Bon, j'aurais fait 17 kills, pardon, peut-être 18. Attends, blablabla. Non. Ah, trop tard. Eh bah. Allez, 5 étoiles la bataille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Soit sur Heroes Généraux, soit sur Minecraft, soit sur un autre jeu. Je vous laisse découvrir tous les jeux sur ma chaîne YouTube. Vous avez des playlists de tout et n'importe quoi. Et la page de présentation de la chaîne YouTube est très pleine aussi.